c'est que je m'adresse à toutes les Africaines d'apprendre à accepter leur peau, accepter qu'on est né africaine et on va demeurer africaine. Être belle ne veut pas dire décaper la peau. Il y a d'autres qui ont envie de devenir clair. Tu comprends? Comme vous, les Blancs. Tu es complexé de la peau. Moi, je suis noir, je resterai noir. Il y a des femmes qui accouchent par césarienne. On ne peut plus les coudre. Parce que la peau est déjà infectée. Et puis, ils passent, les femmes passent de l'autre côté. Que les filles blanches cherchent à devenir blanches pour rien du tout. Alors qu'on a une peau qu'on ne peut même pas... Elle est indescriptible. On a une peau magnifique. Les filles, dans tous les, enfin, dans ce qu'elles décrivent comme beau, enfin, comme personnes belles, la plupart du temps, c'est des filles claires. Voilà, ça va être des métisses ou, enfin, ouais, ou des femmes de couleur claire. Et c'est vrai que du coup, même elles, dans leur imaginaire, voilà, mine de rien, pour elles, du coup, la beauté, ça représente, est représentée par la couleur claire. Donc, du coup, je l'entends, mais je suis totalement contre. Allô? Allô, Doriane? Raconte-moi tout. Je m'appelle Dara Madiala, j'ai 19 ans, je suis d'origine congolaise et je suis née à Paris 2e. J'ai commencé à m'éclaircir la peau en classe de 6e, à fin seconde. La première fois que j'ai ressenti un malaise par rapport à ma couleur de peau, je ne dirais pas qu'il y a eu une première fois, je dirais qu'il y a eu plusieurs premières fois. Mais le jour où je l'ai vraiment ressenti, c'est le jour où j'étais chez moi, il y avait des amis de la famille. Et en partant, il y avait moi et ma sœur à côté, donc côte à côte. Et ils m'ont dit, pourquoi toi tu es foncé et ta sœur est plus claire que toi? On m'a fait plusieurs remarques vis-à-vis de ma couleur de peau, au collège, en classe, comme dehors. Par exemple, quand la prof éteignait la lumière pour regarder un film, c'était souvent à base de « Daran, t'es où ? On te voit pas ?» Beaucoup d'insultes. La nuit, sa poubelle, des trolls, il y en avait énormément. Il y a un mourir blanche là. Mais je crois qu'ils l'ont changé, ils ont enlevé mourir blanche. Ah ouais? Ils ont mis mourir clair? Mourir. Je viens de voir ça, suggérer ça. C'est peut-être ça, ouais. Je sais pas. Ni noir, mourir clair. Il y a des noms qu'on peut pas balancer. Ouais, c'est ça. Non, mais il y en a un autre, elles ont presque 200 000 abonnés. 200? Ah, lui, il est à 22. Il est à 22, ouais, c'est né noir, ils ont enlevé, je sais pas, ils ont changé le. Toi, j'étais abonnée. Au... Je suis rentrée en Soum Soum. Né noir? Dans le groupe. Ouais. Mais c'est quoi ce nom? Né noir, mourir clair. Comment tu peux mettre ce nom? You wanna ask them? Les noirs, mourir clair. Voilà, les noirs devenir blanches. 111 000 abonnés. C'est les noirs. Je parle pas. Même ce nom, déjà, il est fort. Avant, c'était les noirs mourir blanches. Maintenant, on a mis les noirs devenir blanches. Ça se voit, une peau décapée. Enfin, les produits éclaircissants, surtout quand c'est de la crème, c'est des produits qui sont pas trop de bonne qualité. Ça se voit, parce que la peau, elle est super distendue. Elle devient... marron clair, enfin, elle tend vers le beige, mais il y a un peu du vert dessus. C'est ça. On ne pouvait pas donner un noir. Bon, on dit noir communément, mais tu ne sais pas comment qualifier les gens. Parce qu'on a tous quelqu'un dans notre entourage qu'on connaît de près ou de loin qui utilise des produits éclaircissants. Ça serait mentir de dire qu'on ne connaît pas quelqu'un de près ou de loin. En tout cas, dans la communauté africaine, ça serait mentir. Si on veut changer sa couleur de peau, tu peux changer son identité. Il n'y a pas d'âge pour s'éclaircir la peau. Tu peux avoir 60 ans et commencer à en mettre, comme avoir 10 ans et commencer à en mettre. C'est un peu l'Afrique Château Rouge. Là-bas, il y a des choses qu'on trouve nulle part ailleurs ici à Paris. J'ai trouvé les produits pour éclaircir la peau, tout simplement dans les exotiques, on a réussi à vendre à prix normal. Ils ne demandent pas la carte d'identité, donc c'était pas difficile de m'en procurer. Quand j'avais un peu honte d'aller en acheter en boutique, ce que je faisais, c'est que j'allais à la pharmacie pour acheter du Duprozone. Le Duprozone, c'est de base une crème contre les brûlures, les petites taches, l'eczéma. Ou sinon, j'allais chez les exotiques, j'achetais du Carolite. Moi, c'est pour ça que j'ai beaucoup écouté de musique américaine, parce que je me retrouvais un peu plus dans la communauté afro-américaine. Parce qu'il y avait quand même un peu de filles ou de choses qui me touchaient un peu plus, mais en France, j'avais aucun modèle, j'avais personne, moi, pour me dire « Oh,
elle me ressemble, elle a ma couleur de peau, elle a mes cheveux, rien de tout ça. Et on célèbre sa beauté, parce que du coup, voilà. Il y a ce truc qui s'inscrit dans le subconscient un petit peu, que être tendre vers la clarté, c'est tendre vers la beauté. En Asie, en Afrique, au niveau du continent américain, pareil, on voit que les personnes qui sont exposées le plus souvent au soleil sont celles qui font les travaux les plus durs à l'extérieur et du coup qui sont soumises aux aléas climatiques, donc notamment le soleil, et qui du coup ont les peaux les plus foncées. Et à l'inverse, on voit que les personnes qui sont à l'intérieur, qui font le travail de bureau, les choses comme ça, ce sont les personnes qui sont protégées de ces aléas climatiques et qui du coup, généralement, dans une même population avec une carnation plus ou moins uniforme, ce seront les personnes les plus claires. Et avec, après tous les phénomènes sociaux qu'il y a eu et historiques, genre l'esclavage et ensuite la colonisation, ça a uniformisé un petit peu cette hiérarchisation-là. Choco, c'est un des noms du... C'est un nom dérivé du Choco, il y a le tcha. Crème éclaircissant, il y a Choco, tcha. C'est un verbe, est-ce tcha. Ouais, est-ce tcha. Tchatchou. Non, maintenant c'est tcha, elle dit le tcha. Ça dépend. Il y a choco, tchacho, tcha. J'ai vu que. Il y avait aussi un nouveau maquillage. Le maquillage aussi, c'est au Cameroun, ils disent ça. Mais je ne sais plus, en Côte d'Ivoire, ils ont un nouveau nom. Non, en Côte d'Ivoire, ils disent le tcha. On essaye de déconstruire les idées reçues. C'est-à-dire qu'on parle avec les personnes qui sont dans la dépigmentation. On cherche à savoir pourquoi. Et au fur et à mesure du pourquoi, on arrive à la source même du problème. Et très souvent, c'est. On va dire la latence du racisme, donc c'est la manière dont on va se percevoir par rapport à l'environnement dans lequel on évolue. Est-ce qu'on a l'impression de faire partie de cet environnement-là, ou est-ce qu'on se sent mis à part? Et du coup, par rapport à chacun, comment il va interpréter sa position dans l'espace public, et après comment il va le réaliser et comment il va l'illustrer à travers les choix qu'il va faire, et notamment à travers tout ce qui est cosmétique, etc., et le choix de produits éclaircissants ou pas. Vous avez notre projet, Stop Dépigmentation. On a 4 affiches phares, dont celle-ci, qui représentent les effets secondaires de la dépigmentation artificielle de la peau. Personne n'a vu mal à chez moi. Personne. Parce qu'avant, c'était quelque chose de plutôt banalisé. Quand on t'insultait par rapport à ta couleur de peau, c'était quelque chose de tout à fait normal. Et ce qui était le plus dur, c'est surtout se rejeter des Noirs eux-mêmes. Et pourquoi je n'avais pas ma couleur de peau aussi, c'est parce que j'avais l'impression qu'on ne me voyait pas, qu'on me comparait à des choses extraordinaires. Et j'ai voulu garder ça secret parce que c'est la honte de s'éclaircir la peau alors que je suis née noire. C'est la honte de dire aux gens « je mets du choco ». À chaque critique, j'en mettais encore plus. C'était peut-être un phénomène de mode d'être clair, mais c'était aussi la honte d'éclaircir sa peau. Donc je voulais pas que ça se sache, surtout auprès de ma famille. Je voulais que ça passe naturel. Je voulais un peu faire comme si j'étais noire, et au fur et à mesure du temps, je me suis éclaircie. C'est honteux parce qu'on veut plaire aux gens avant de nous plaire à nous-mêmes. Avant, je ne me sentais pas Dorian. Avant, je voulais être une autre personne. Quand j'étais claire, j'avais atteint mon objectif. Qui n'est pas heureux d'atteindre son objectif? C'est comme un combat que je voulais vivre, comme une guerre à gagner. J'avais gagné. J'étais claire. Si je pouvais rassurer la Dorian d'avant, je dirais qu'elle est magnifique, qu'elle est belle, qu'elle est noire et qu'elle doit être fière de l'être.